Au nom de l'administration, surtout au nom de l'administration, au nom des élèves, au nom des parents de l'élève, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à cette équipe qui est venue de Lomé. C'est une association dénommée Vin de Sel. Je ne sais pas dans quel domaine ils agissent, mais ils sont là. Je vais tout à l'heure leur donner la parole. Ils sont là aujourd'hui pour un thème donné. Le Sassou a déjà commencé le travail ce matin dans les classes. Il vous a déjà briefé sur l'importance de l'acte de le certificat plutôt de nationalité. Je voudrais parler de l'acte de naissance, c'est la pièce maîtresse. Mais aujourd'hui, il s'agira de la nationalité, le certificat de nationalité. Ce certificat qui vous permet de faire quoi? De vous ouvrir sur l'université, sur d'autres activités également. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, ils sont là. Je suis qu'ils ont un message. Je vais vous demander de les écouter religieusement et sans plus tarder, je vais leur remettre la parole à monsieur Toto, Herman Toto. Alors, c'est tout ce que vous voulez faire pour le proviseur. Ah, je vais entendre un truc plus fort que ça. Ok. D'accord. Ok, merci pour les acclamations. Très chers frères et sœurs, honorables invités à vos différents titres et rangs respectifs, merci d'être ici cet après-midi et merci surtout de nous témoigner de votre chaleur par ces acclamations que vous venez de nourrir l'intervention de M. le proviseur. Et avant de passer la parole au représentant national, je voudrais tout d'abord que vous acclamez aussi ces gens-là qui sont venus vous apporter un grand message. Merci. Si ces gens-là étaient ici sans votre présence, on n'aurait rien à faire ici. Donc comme vous êtes là, un pas même pour vous-même. Okay. D'accord. Comme je venais de le dire, sans plus tarder, on va donner la parole au représentant national de Grain de Sel. Vous allez savoir ce que nous appelons Grain de Sel et ce que Grain de Sel est venu vous apporter comme message. Donc, on va l'accueillir par des acclamations. Merci. Qu'est-ce que c'est que Grain de Sel Togo? Qu'est-ce que Grain de Sel Togo fait? Nous sommes venus cet après-midi pour une sensibilisation, mais avant d'aller dans le vif du sujet, il va falloir que vous sachiez qui sont ceux-là qui sont devant vous. Moi, c'est Herman Kossi Toto. Je suis professeur d'anglais au CEG de Nikonapoya à Lomé. I teach English, ok? Si ce n'était pas que, sinon on devait tout faire en anglais, puisque j'aime beaucoup l'anglais. I love English. I love it so much. So I would like you to love English too, ok? So clap for yourself if you love English. Ok, merci. Je suis Herman, comme je vous l'ai dit tantôt. Je suis le représentant national de Grain de Sel Togo. Grain de Sel Togo est une association créée par des boursiers Fulbright. Qui appelle-t-on boursiers Fulbright? C'est des Togolais qui ont eu des bourses d'études pour aller étudier aux États-Unis d'Amérique. Et cette bourse leur a été accordée par le gouvernement américain à travers le département d'État. C'est ce qui est appelé ici chez nous le ministère des Affaires étrangères. Aux États-Unis, on l'appelle le département d'État. Et c'est ce département d'État qui a employé les bourses pour des Togolais. Quand ces boursiers togolais sont partis aux États-Unis, ils se sont dit, nous avons eu des bourses pour venir étudier aux États-Unis. Nous devons faire quelque chose pour nos jeunes frères qui sont restés au pays. Et ils ont décidé de créer une association qu'ils ont dénommée Grain de Sel Togo. Et connaissant la valeur du grain de sel, le grain de sel que nos mamans utilisent dans les cuisines pour faire la sauce, sans le grain de sel dans la sauce, est-ce que la sauce est bonne? Cette association veut être le grain de sel dans la vie des étudiants. Donc, Grain de Sel vient en aide aux étudiants, travailleurs, mais qui n'ont pas assez de moyens. Donc, ils prennent ces boursiers togolais, prennent un peu de leur bourse pour aider leurs jeunes frères qui sont au Togo. Et ils aident seulement ceux qui sont dans les universités publiques. Ceux qui sont dans les universités publiques, à savoir l'université de Lomé et
l'université de Kara. Vous savez qu'on a deux universités publiques au Togo, Lomé et Kara. Et donc, ils les aident à travers des assistances financières, des conseils pédagogiques, parce que chaque étudiant a un conseiller pédagogique. Chaque étudiant boursier de grade de Saint-Togo a un conseiller pédagogique à qui il pose des questions quand il a des difficultés à comprendre certains éléments de la vie étudiantine. Donc voilà un peu grade de Saint-Togo, ce que nous sommes, ce que nous faisons. Le bureau international est basé aux États-Unis. Il y a un bureau, une représentation au Togo. Nous voudrions que Grain de Sel devienne une association vraiment mondiale. Et nous avons commencé les démarches en France. On a déjà une représentation en France. Il y a des Togolais qui sont là-bas. Il y a une Mauricienne. Il y a un Ivoirien. Ils sont en train de travailler pour que Grain de Sel soit basé en France. Et sous peu de temps, Grain de Sel sera aussi installé aux îles Comores. Donc nous voudrons vraiment que cette association devienne mondiale. Et nous pensons que nous pourrons arriver à ce niveau si chacun met un peu du sien. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes là pour une présentation. Nous n'allons pas perdre le temps sur Grain de Sel. C'est vrai que c'est Grain de Sel qui est venu faire cela. Mais le point le plus important, c'est la présentation que nos jeunes frères, les étudiants, vont vous faire tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, je dirais que voilà brièvement ce que Grain de Sel est, ce que Grain de Sel fait. Grain de Sel aide les étudiants. Nous avons déjà lancé le recrutement pour 2015-2016. Et toutes les demandes se font en ligne, sur Internet. Nous ne recevons pas de dossier physique. Les étudiants vont en ligne sur le site de Grain de Sel qui est www.graindeseltogo.org. www.graindeseltogo.org au singulier bien sûr. graindeseltogo.org. Alors vous pouvez visiter le site et vous verrez un peu ce que Grain de Sel fait. Pour plus d'informations sur Grain de Sel Togo. C'est bon pour le site, vous avez noté le site? D'accord. Donc, Grain de Sel est une association qui recrute beaucoup de Togolais. Beaucoup de Togolais qui ont eu cette chance-là d'avoir des bourses pour aller aux États-Unis. Et donc, je fais partie. Moi, j'y étais en 2011 et c'est le département d'État qui a pris tout en charge. Si vous arrivez à travailler bien en anglais et que vous gagnez une bourse pour aller aux États-Unis, je vous jure, vous ne payez pas un franc. C'est le département d'État qui prend tout en charge. De l'aéroport à Lomé jusque là-bas, les voyages aux États-Unis, d'un État à un autre jusqu'à votre retour, ils font tout. Donc il y a plein de Togolais qui gagnent ces bourses-là. Et pour votre information, l'année passée, l'ambassade des États-Unis à Lomé a envoyé trois élèves aux États-Unis. Trois élèves. Une fille est venue du lycée de Thévier. Une fille du collège Saint-Joseph à Lomé et une fille du lycée Adido Gomé. C'est sur le site internet de l'ambassade qu'elles ont postulé. Donc c'est pour vous dire l'importance de l'internet de nos jours. Donc Grain de Sel fait beaucoup aussi dans ce sens-là. Nous donnons des formations. Donc nous avons déjà fait deux séminaires à l'université de Lomé pour les étudiants boursiers et d'autres étudiants qui sont intéressés. Cette année nous irons à Kara. À l'université de Kara pour faire un séminaire. Nous pouvons même faire un camp international qui regroupera des étudiants d'autres pays pour un bien social. Donc voilà un peu Grain de Sel. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous ai donné le site. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Oui, je me nomme Camille Lagambe, étudiant en semestre 3 en sciences agronomiques à l'université de Lomé. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va parler pour l'exposer sur la sensibilisation de l'importance de certificat de nationalité. Qu'appelle-t-on, on peut poser la question, qu'appelle-t-on le certificat de nationalité? Et la deuxième question, c'est quoi? À qui doit-on délivrer le certificat de nationalité? La première question, le certificat de nationalité est un document officiel et légal permettant aux demandeurs ou
aux citoyens togolais ou qu'ils soient étrangers ou pas, d'attester une certificat ou une nationalité togolaise. La deuxième question, qui peut avoir le certificat de nationalité? Toute personne ayant un père togolais ou une mère togolaise, à partir de l'article 8 ou article 8 de la constitution de la constitution de la nationalité. Il y a aussi, ça peut être obtenu à partir du mariage, à partir de l'époux, à partir de certaines pièces que nous présenterons plus tard. Cela peut être obtenu par un enfant né au Togo. Quel que soit le parent, soit étranger, si l'enfant est né au Togo, c'est accessible. Et en dernière position, les enfants abandonnés par le droit de possession selon l'article 2 de la Constitution. Merci. Ok, nous remercions notre frère bienvenu. Avant que je commence. Ok. Avant que je ne commence, c'est que il fait partie du lycée Enfoin, n'est-ce pas? Hein? Qui va me dire que lui fait partie du lycée Enfoin ici? Quelqu'un? Sérieusement, qu'il est élève ici? Oui. Oui, je sais que je suis élève dans ce lycée d'enfants car j'ai passé l'examen du bac ici. Mon nom s'est inscrit dans l'examen du lycée d'enfants. Ok, maintenant si tu es en ville, comment tu dis, mon ami, qu'est-ce qui prouve que tu es élève au lycée ici? Tu vas dire tout ça. Le soldat va dire qu'il ne connaît pas votre proviseur. Je ne sais pas si tu t'es inscrit ou pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci beaucoup. C'est la carte scolaire. Acclamez pour le lycée. Et c'est très important. Ce qui prouve que vous êtes élève ici, c'est que vous avez une carte scolaire. C'est cette carte scolaire qui donne cette preuve-là. De même, le certificat de nationalité est une preuve pour dire que vous faites partie de la nation togolaise. Les devoirs, leurs devoirs. Ça peut aller? D'accord. Maintenant, après avoir travaillé pour l'évolution de leur nation, quelque chose sort du travail là, n'est-ce pas? Les avantages là. Maintenant, ceux qui sortent de leur travail, ils vont jouir de ça. Ce sont les privilèges qui sont issus de la nation, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle leur droit. Ça peut aller? Donc, une nation est caractérisée par un groupe de personnes qui ont des devoirs et qui ont de quoi? Des droits, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, il y a une autorité supérieure qui organise la nation, qui organise la vie sociale, la vie politique, la vie juridique et tout pour qu'il y ait quoi? De l'ordre. L'autorité supérieure ici, c'est quoi? C'est l'administration, la direction, n'est-ce pas? Sans ça, il y aura quoi? Du désordre. C'est ça. Dans une nation aussi, il y a une autorité quoi? Supérieure. Donc, il y a une autorité supérieure, il y a un groupe d'hommes et un territoire bien délimité, n'est-ce pas? Maintenant, si tu es dans la nation pour jouir des droits et pour faire tes devoirs, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Tu dois avoir quoi? Ton certificat de nationalité. C'est ça qui prouve que toi aussi, tu peux jouir des privilèges de la nation. Vous voyez, un résident étranger qui n'a pas le certificat de nationalité togolais n'est pas privilégié par rapport à quelqu'un qui a le certificat de nationalité quoi, togolaise. C'est lui qui a ses droits premièrement. Parce qu'il est togolais. Donc c'est ce document-là qui certifie, qui montre que vraiment tu es togolais. Vous voyez que c'est important? C'est important. Donc si tu ne l'as pas encore, tu n'as pas encore de preuve légale, record. Tu passes sous le monde et la loi que tu es togolais. Donc c'est important qu'à partir d'aujourd'hui, nous commencions par chercher comment faire pour établir ce document-là. Et ce document ne sert pas encore, son utilité ne s'arrête pas encore là-bas. Pourquoi nous fréquentons? Oui, une fille. Je me nomme Kang Soupé Afiwa Fidel. Je fréquente pour agrandir ma connaissance et puis pour préparer mon avenir aussi. D'accord.
Donc, c'est l'objectif de tout le monde ici. Donc, après le bac, nous sommes tous au lycée, n'est-ce pas? Et après le bac, certains vont aller chercher à se former, ou bien d'autres vont tenter quoi? Les concours. Et certains vont aller à quoi? À l'université. D'accord. Pour faire les concours, on écrit quoi? Une lettre de demande. Et dans la lettre de demande, quelque part, on dit quoi? Si j'ai... Il y a le certificat de nationalité là-bas quelque part qui apparaît encore. Vous voyez que c'est important, non? Parce qu'il est sur notre route. Et pour faire une formation aussi, on écrit une lettre de demande. Il y a encore le certificat de nationalité qui apparaît là-bas. C'est à lui qu'on a réservé 6 jeunes avec certaines autres pièces. Ça peut aller? D'accord. Et pour s'inscrire à l'université aussi, il y a ça, les universités publiques comme privées au Togo. Il faut nécessairement, dans les pièces, le certificat de nationalité. Vous voyez qu'en tant qu'élève, on a besoin de ça, n'est-ce pas? Donc, c'est important que nous commençons par préparer cela. Et ce n'est pas après le bac qu'on le fait. Vous savez pourquoi? J'ai essayé un jour, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Il faut commencer ça petit à petit, petit à petit. Et avant le bac, vous l'avez en même temps, et puis c'est fini. Vous êtes libre. Mais quand c'est après le bac que vous dites, ah, je dois faire ça, oh, ça ne peut pas aller. Vous risquez de perdre l'année là, comme ça. Parce que tout sera plein. Vous aurez beaucoup de soucis. Comment je vais faire pour trouver de l'argent? Comment je vais faire pour retirer ça? Je vais, on me dit après 2 mois. Après, on me dit après 1 mois. Tu as vu ça? Ça fatigue, non? Hein? On risque de se décourager. Ça peut aller. Donc, c'est important que chacun commence par penser à ça. Même si tu n'as pas les moyens en même temps, c'est à petit coup que l'oiseau construit son nid. Donc, il faut qu'on commence par penser à ça. Tant que nous sommes des élèves, ça nous attend. Ça peut aller. D'accord, donc c'est ce que nous avons à vous dire ça. Si le citoyen a un papa togolais, une mère togolaise, une épouse ou étranger, il y a des papas. Ok, on commence par un père togolais suivant. Il y a un certificat de naissance du demandeur, une quittance, une photo d'identité et un exemplaire du copie de nationalité du papa. Ou du frère ou de la sœur du même papa. C'est bon. Ok. Pièce commune à toutes les options. Certificat de nationalité de la mère, du frère ou de la sœur. Il y a déclaration de naissance du demandeur ou toute autre pièce tenant lieu. Donc il y a une copie, l'original plus le copie certifié conforme. Donc une photo d'identité, une quittance. Donc pour l'option 1. Il y a 5 options. Donc, option 1, pour père togolais, selon l'article 32 de la Constitution, il y a le certificat de nationalité du père, du frère ou de la sœur du même père. Donc, il y a le copie original plus copie certifiée conforme. Donc, pour la mère togolaise, c'est la même mère quoi. Il y a le copie original plus la légalisation. Option 3, mariage. Selon l'article 5 du Code de la nationalité. Il y a le certificat de naissance du mari, original plus légalisation, certificat de naissance de l'épouse, original plus légalisation, certificat du mariage, original plus légalisation. Option 4, enfant né au Togo. Selon l'article de la possession d'État, article 1 du Code, il y a la déclaration de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu du père, de la mère et du demandeur. Original plus légalisation, attestation de résidence, rapport d'enquête sociale. Donc pour l'état et l'option 5, pour terminer, enfant abandonné. Donc selon l'article 2 de la nation, donc il y a le rapport d'enquête de la police ou de la gendarmerie, il y a le rapport d'enquête sociale. Merci. Ah non, si vous voulez acclamer, acclamez. Voilà, j'aime ça, I like it. Je voudrais revenir un peu par rapport à la présentation de nos chers boursiers. En fait, ils ont parlé de l'importance du certificat de nationalité et qu'il faudrait avoir ce document avant le baccalauréat. Moi, je l'ai eu après mon bac et je vous dis que j'ai souffert. Moi, j'ai connu Lomé après mon bac.
et je n'ai pas honte de le dire. J'ai fait le village. Et si vous touchez encore ma mère aujourd'hui, c'est bien dur. Je suis enfant de villageois. C'est-à-dire que mon papa et ma maman là, ils sont nés au village. Ils ont grandi là-bas. Ils sont morts là-bas, on les a enterrés là-bas. Donc je suis enfant de villageois à 100%. Et c'est après mon bac que moi j'ai connu Lomé. Et c'est après le bac que j'ai couru derrière cette pièce-là que nous appelons le certificat de nationalité. Je devais m'inscrire à l'université du Bénin, parce que c'est comme ça on l'appelait en ce temps. L'université du Bénin, en 1996, quand j'ai eu mon bac. Et pour avoir ce certificat, c'était très difficile parce que, un, personne ne l'avait eu dans ma famille avant moi. Donc j'étais la première personne à posséder ce certificat-là et faciliter l'acquisition à mes frères et sœurs. Donc je devais avoir le certificat d'origine parce que personne ne l'avait dans la famille avant moi. Ils n'ont pas mentionné, mais quand personne n'a le certificat de nationalité dans votre famille et que vous êtes la première personne à demander ce certificat, vous devez prouver, vous devez donner un certificat d'origine. Et là, vous passerez par le chef canton, vous irez à la préfecture. Mais je voudrais vous dire, je voudrais vous rassurer, il n'y a pas à s'inquiéter parce que nous finirons par mettre en place un comité de suivi. Il y aura un comité de suivi qui va vous aider à, dans les démarches pour obtenir le certificat de nationalité. Nous n'allons pas vous abandonner, nous n'allons pas venir vous parler comme ça et puis disparaître. Non, nous serons encore... Nous serons de vos côtés pour que chacun de vous ait ce papier-là. Tous ceux qui ont la bonne volonté de l'avoir aient ce papier-là avant le bac. Hier, pour votre information, hier matin, nous avons été reçus par la directrice nationale du certificat de nationalité, celle qui gère la direction de la nationalité. Elle nous a accueillis, elle nous a reçus hier matin. Elle a même voulu envoyer quelqu'un pour nous appuyer dans cette rencontre, mais le temps n'était pas propice, sinon quelqu'un devait venir. Donc elle est au courant de ce que nous faisons actuellement ici. Il y a une équipe qui fait la même chose actuellement au lycée d'Awan Djelo, à Kara, à 10 km de Kara. Nous avons des boursiers à l'université de Kara aussi. Donc il y a un représentant là-bas qui les appuie. Ils sont là-bas en ce moment en train de faire la même chose. Donc nous allons mettre un comité en place qui va vous appuyer et sincèrement, notre désir le plus ardent, c'est que vous ne couriez pas après ce papier-là quand vous aurez besoin de ce papier. Si vous vous permettez d'aller à la direction de la nationalité en ce moment, vous aurez pitié de vos frères qui sont là-bas. Ils ont eu le bac et c'est maintenant qu'ils courent derrière ce papier-là pour s'inscrire à l'université. Ce n'est pas facile. Ils sont des centaines là-bas. Il y a des gens qui dorment là-bas parce qu'ils n'ont personne à Lomé. Ils sont descendus à Lomé pour faire ce papier-là. Et ils dorment là-bas. Il y a des gens qui arrivent déjà à 3 heures, alors que le service commence à quelle heure? Oui, si ça a commencé tôt, c'est 7 heures. Si ça a commencé tôt, ça. Sinon, ça peut commencer à 8 heures. L'argent peut venir à 9 heures. Ce n'est pas les écoles où les profs viennent tôt pour vous entretenir, non. Le service public, c'est différent. On n'est pas venu pour parler de ça. Mais ils dorment là-bas. Les gens s'en vont très tôt pour être les premiers à être reçus. Mais c'est difficile. Et nous ne voulons pas que vous souffrez ces peines-là, que vous ayez ces peines après le bac. Donc sincèrement, nous voudrions que vous en parliez à vos parents, que vous avez besoin de ce papier. Et que les parents vous aident, parce qu'il y aura un comité formé de parents d'élèves, des enseignants de l'établissement, et nous aussi. Et nous allons travailler ensemble pour vous faciliter l'acquisition de cette pièce. Mais je disais que moi, quand je devais l'avoir, j'ai souffert, j'ai vraiment souffert. Et pour l'avoir, heureusement qu'entre temps, le mari d'une cousine est intervenu. Pour m'aider. Sinon, je ne sais pas ce que ça devait être. Donc franchement, nous ne voulons pas que vous arriviez à ce niveau. C'est pour cela que nous sommes venus. Et nous aurions aimé que les parents soient là, qu'ils écoutent ce message aussi. Ils ne sont pas là, mais nous pensons, nous allons croire que vous allez leur apporter le message et qu'ensemble, en concertation avec les parents, vous allez déjà démarrer les démarches pour l'acquisition du certificat de nationalité avant le baccalauréat. Si vous êtes des élèves de terminale qui êtes là cet après-midi, s'il n'y a pas d'élèves de seconde, première, faites-leur savoir ce qu'on vous a dit cet après-midi.
et qu'ils commencent déjà. Qu'ils n'attendent pas la terminale pour courir derrière le papier. Déjà, vous avez votre pièce, votre certificat de naissance, c'est suffisant pour faire les démarches et avoir votre certificat de nationalité. Et moi, quand j'ai souffert comme ça, permettez-moi de vous le dire, moi j'ai trois enfants. Je n'ai pas attendu un an pour que mes enfants aient leur certificat de nationalité. Vous comprenez? Ce que j'ai galéré là. Il ne faut pas que ça arrive à mes enfants. Donc, tous mes trois enfants ont leur certificat de nationalité. Ils avaient l'ancien. Maintenant que le nouveau est là, j'ai fait une demande pour avoir le nouveau. Mais l'ancien est encore valable, ce n'est pas encore rejeté. Vous comprenez? Donc, vous devez aider maintenant. Quand vous l'aurez, vous allez aider vos petits frères à l'avoir aussi. Et si papa ou maman ne l'a pas, ce n'est pas encore grave. Nous allons vous montrer les démarches, comment faire les démarches, et puis vous allez avoir le certificat d'origine. Et voilà, ça va aller. Heureusement, il y a une cellule à la préfecture à Neho. Et la directrice nous a rassuré hier, il y a une cellule chargée du certificat de nationalité dans chaque préfecture. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller à Lomé pour faire la demande. Quand nous allons vous accompagner dans les démarches, la préfecture nous dira qui il faut voir, on va vous accompagner et puis ça va être facile. On peut même faire le dépôt à la préfecture à Neho. Et c'est la préfecture qui se charge de convoyer les demandes à Lomé. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller à Lomé pour faire ce papier. Des fois on n'a pas l'information et puis on a peur, on ne fait rien. Ah moi j'ai pas l'argent pour aller à Lomé, si je vais à Lomé, chez qui vais-je rester, etc. etc. Heureusement la structure est proche de nous ici. Et comme le proviseur est là, le censeur est là, les enseignants sont là, nous sommes venus en appui à ce qu'ils font déjà. Je crois que sous peu, tous ceux qui veulent avoir ce papier avant le bac, on pourra vous aider à l'avoir. Et ce n'est pas très cher, ce n'est pas cher. C'est combien? Vous n'avez pas donné le montant de la quittance? Mais c'est 5 000 francs, monsieur. C'est 5 000 francs. La quittance, c'est 5 000 francs. Je voudrais voir s'ils ont bien fait leur recherche. Je ne voudrais pas donner le montant. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous aurez toujours besoin de ces certificats. Et vous avez besoin d'avoir une carte d'identité nationale. Et c'est ce certificat qui va vous aider à avoir cette carte. Quand vous voulez aujourd'hui travailler quelque part, avec ou sans le bac, vous aurez besoin de cette carte. Que vous ayez envie de prendre l'argent à la banque, parce que est-ce que quelqu'un ne veut pas aller prendre de l'argent à la banque ici? Il y a quelqu'un, il est là? Il n'est pas là. Donc tout le monde va prendre de l'argent à la banque. Tout le monde veut y aller, n'est-ce pas? Donc pour aller à la banque, ce n'est pas toutes les banques qui acceptent que vous amenez les cartes directeurs et autres pour retirer de l'argent. Il y en a qui autorisent, mais ça commence à disparaître. Mais vous ne pouvez pas être dans cette situation où vous arrivez à la banque, qu'on vous dise vous n'allez pas prendre votre argent parce que vous n'avez pas votre carte avec vous. C'est cette situation où on veut refuser, c'est pour ça aujourd'hui on est là. Et tout le monde doit pouvoir saisir cette opportunité dès ce moment présent là, de pouvoir prendre sa responsabilité et commencer les démarches pour obtenir son certificat. Et il y a souvent un adage qui dit, celui qui sait qu'il voyage loin, il commence déjà à s'apprêter très tôt. Et l'avenir souvent appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ceux qui se lèvent tard à un moment donné se laissent dépasser et ils n'arrivent pas vraiment à destination comme prévu. Donc je sais que tout le monde ici va arriver à destination comme prévu. Je sais que tout le monde va commencer à faire les démarches très tôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne va pas le faire? Il y a quelqu'un ici qui ne va pas le faire? Qui lève la main, on va le voir, on va acclamer pour lui. On va acclamer pour lui. Ah ok, il n'est pas là. Donc, acclamez beaucoup pour vous. Donc, on va passer aux questions. Je réponds au nom de Vlidé Kouamili Hilbert, élève en terminale 4. Et j'aimerais savoir, vous voulez nous aider à faire le certificat de nationalité. Bon, on ne sait pas combien on va utiliser pour le faire. Comment? Il faut vous aider. Ok. Merci. Que je veux savoir avec lui. Terminale 2. Les camarades disent que la plupart avant d'avoir la quittance, tu dois. Là où tu es né, c'est là-bas que tu dois passer chez les chefs et n'importe où avant d'avoir la quittance.
Alors, ce que je veux savoir est que, là donc, si tu es né à Kara et tu es ici, là donc tu vas quitter pour aller là-bas ou bien, ce que les gens disent là ou bien, c'est du mensonge. Comment allons-nous vous aider à posséder le certificat de nationalité? Nous avons dit, nous allons vous aider dans les démarches. D'abord, nous allons nous approcher de la préfecture et contacter la commission ou le comité qui est en charge du certificat de nationalité à la préfecture des lacs. Puisque enfant est dans les lacs, c'est bien ça. Et quand nous les aurons approchés, nous allons discuter avec eux. Et ils vont nous confirmer, ils vont nous confirmer les pièces à fournir. Nous le savons déjà, mais ils vont nous les confirmer. Et maintenant, ils vont nous aider à collecter les dossiers de tous ceux qui veulent avoir le certificat de nationalité au lycée Enfouin. Maintenant, vous n'aurez pas à vous déplacer si on n'a pas besoin de votre présence physique. Si on n'a pas besoin de votre présence physique, vous ne dépensez rien pour le déplacement. Vous suivez? Donc, grain de sel et le comité qui sera mis en place. Les deux comités-là vont prendre en charge le déplacement. Donc, quand nous rassemblons les dossiers, un de nous les prend et s'en va à la préfecture avec les dossiers. Vous comprenez? Maintenant, quand il faut le certificat d'origine, comment procéder pour l'avoir? Le proviseur est là, il faut voir le chef canton. On va vous aider dans les démarches-là. Ce que vous aurez à fournir vous-même, c'est la quittance et les pièces à légaliser. Vous allez fournir le montant pour la quittance et les pièces à légaliser. Est-ce que ça peut aller? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Monsieur Assou Ablam Damien, ça va? Ça va? Donc nous prenons en charge le déplacement pour aller déposer les dossiers, pour aller faire les retraits et les ramener. Donc tout ce que vous aurez à donner comme papier, on les prend ici. Tout ce que vous aurez à faire, c'est légaliser les documents demandés et payer la quittance. Parce que Grain de Sel est une jeune association et n'est pas encore prête à payer la quittance pour vous tous. Vous comprenez? Nous sommes juste dans notre troisième année. Et nous pouvons vous dire que tout ce que nous donnons comme aide aux étudiants sort de nos poches. C'est nous-mêmes qui donnons un peu de ce que nous gagnons pour les soutenir. Ce sont les membres actifs de l'association qui donnent mensuellement pour les aider dans ce que nous avons décidé les aider, et ce que nous avons décidé leur donner. C'est clair? Mais nous osons croire qu'à un moment donné, si nous avons des sponsors, si nous avons des sociétés qui interviennent, qui trouvent que ce que nous faisons est bien, qui veulent nous appuyer, on peut arriver dans un lycée et puis voilà, si c'est 20 élèves, on dit, Grain de Sel prend en charge 20 élèves, la quittance de 20 élèves par exemple. Et ce serait bien, nous voulons arriver à ce niveau. Mais nous n'en sommes pas encore, à ce niveau. Vous allez vraiment nous accepter ce que nous pouvons faire pour vous aider pour l'instant. C'est les pièces. Nous pouvons encore les rassembler ici au lycée et aller faire le dépôt ensemble à la mairie ou au commissariat pour les légalisations. Donc vous fournissez les pièces avec, qu'est-ce que je dirais, le montant qu'il faut pour légaliser. C'est 500 francs par pièce, ce n'est pas dossier scolaire. À ce niveau, ce n'est pas dossier scolaire. Donc c'est 500 francs par pièce et nous, on peut, le comité peut collectionner, rassembler les pièces à légaliser et une personne ira à la préfecture à Néron pour faire le dépôt, pour éviter que chacun de vous se déplace pour aller légaliser sa pièce à Néron. Parce que j'ai demandé au proviseur, il m'a dit, c'est à Néron, ce n'est pas possible ici. Donc, au lieu qu'une personne se déplace pour aller à Néron, aller retour, je crois que c'est 800. C'est 800. Voilà. Alors que si une seule personne va avec tous les dossiers là, ça fait 800. Mais si 20 personnes se dépassent, ça fait déjà combien? 16 000 pour le déplacement seul. Si 20 personnes se déplacent sur Néron, ça fait 16 000. Alors que les 20 personnes là peuvent faire légaliser leur pièce à Néron par le truchement d'une seule personne. Donc au lieu de 16 000, nous dépensons 800 francs. Vous comprenez? Donc nous voulons économiser, nous voulons minimiser les dépenses, surtout au niveau des déplacements. C'est bon? C'est bon? D'accord, merci. La troisième question, certificat d'origine. Où doit-on l'avoir? Je suis né à Djarpanga,
Maintenant, je vis en Foin et je veux avoir le certificat de nationalité. Dois-je aller à Djarpanga? Je suis originaire de là-bas. Que faut-il faire? C'est monsieur Tou Anko Terminandé. Ok. On doit aller au lieu d'origine pour avoir le certificat d'origine. C'est obligatoire? Oui. Monsieur Anko Tou Anko, c'est clair? Oui, c'est obligatoire. Certificat d'origine. Et on prend le certificat d'origine à son lieu d'origine. Et ça, c'est obligatoire. Ça va? Donc, commencez les démarches. Déjà, si vous devez aller là où vous avez le lieu que vous avez mentionné tout à l'heure. Merci. Dans la même perspective, j'aimerais ajouter que pour avoir le certificat de nationalité, l'une des pièces qu'on demande, c'est l'acte de naissance. Et on demande l'acte de naissance et le duplicata de la souche. Si monsieur, votre collègue Tou Anko de la terminale D, elle n'est par exemple à Dapaon, on y a établi le certificat de naissance à Dapaon, donc il est obligé d'aller chercher le duplicata de la souche à Dapaon. Donc c'est la même chose. Merci, merci monsieur le censeur. Merci beaucoup. Donc pour un petit ajout, vous avez entendu au départ qu'il y a plusieurs options. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de pièce de ceux qui n'ont pas de certificat de nationalité ou ceux dont dans la famille personne n'a le certificat. Vous voyez, quand vous avez déjà un membre de la famille qui a le certificat, les déplacements sont encore amoindris. Donc après, on aura à saisir toutes ces options, comme on l'a dit, on vous les amène, les pièces à fournir par option, combien vous aurez à dépenser pour légaliser ces pièces plus la quittance. Donc chacun aura le montant global de sa situation. C'est bon? Ça peut aller? D'accord, merci. Je me nomme Atchep Amaga Mathieu. Oui. Amaga. Amaga. Oui. Mathieu. Mathieu. Seconde à 4. Oui. J'aimerais savoir si mon père avait le certificat de la santé. Comment je vais faire? Merci. Ma question est que quelle sera la durée du rassemblement des dossiers? Merci. La durée? Oui. La durée du rassemblement des dossiers. Ah. Okay. Je me nomme Amengambe Amelio. Je suis en terminale A4. Moi, j'aimerais savoir si quelqu'un a perdu son acte de naissance l'original. Et maintenant, à la reprise, on l'a fait pour lui seulement le duplicata. Est-ce qu'il y a encore problème là-bas? Moi, c'est Agiga Kokwantua. Je suis en classe de terminale D. Agiga Kokwantua. Oui. Bon, pour renouveler le certificat de la nationalité là, et comment nous allons faire pour renouveler ça? Merci. À ma vie, a été Renaud. La question est la suivante. Si mon père a le certificat de nationalité, que faire? Donc la réponse est la suivante. Pour les pièces à fournir, il y a la déclaration de naissance du demandeur. Copie plus légalisation. La photo d'identité. Une quittance de 5 000. Et du certificat de nationalité du papa ou du frère ou de la sœur du même papa. Merci. C'est bon? Oui. Ok. Ok, pour monsieur Agiga Kokou Antoine. Ok, j'ai compris. Pour monsieur Agiga Kokou Antoine, pour renouveler le certificat de la nationalité, que faire? Donc, il doit avoir l'original de l'ancien certificat de nationalité. Il doit fournir aussi une quittance de 5 000. De la photo d'identité encore. Et de la déclaration de naissance. Merci. Kounounia, c'est bien ça? Monsieur Kounounia Komi, terminant A4. La durée de rassemblement des dossiers. Nous avons dit que nous allons mettre en place tout de suite un comité. Donc le comité décidera du délai ou bien de la date de rassemblement des dossiers. Si j'ai compris, c'est le rassemblement des dossiers au lycée en Foin.
C'est de ça que je veux parler. Donc c'est le comité là qui va décider de la date. Et la date vous sera communiquée soit au mar, soit en classe. C'est bon? Et quand nous on vient, on prend, on envoie d'abord pour la légalisation, ensuite pour la, à la préfecture pour commencer la demande du certificat de nationalité. Ok? Et quand on fait la demande du certificat de nationalité, c'est un mois. C'est un mois, la durée pour l'avoir, c'est un mois. Donc, si ça sort avant un mois, c'est bien. Sinon, on doit attendre un mois avant d'aller réclamer. Quelqu'un avait demandé qu'on ajoute la durée quand on fait la demande. C'est un mois. Il y a une autre question. Question numéro 9. 6 d'abord. Amenglombe, Ameyo, c'est bien ça? C'est une fille. Elle a demandé si on a perdu l'original de la naissance. Si l'original est perdu, que faire? C'est bien la question? Ok. Merci. Merci. Si l'original du certificat de nationalité est perdu, il y a pour le duplicata, il doit fournir le certificat de nationalité togolaise du papa. Du copie du certificat ou du de naissance perdu. De la double des archives ou à défaut certificat de nationalité du père. L'original plus le copie certifié ou la légalisation. Merci beaucoup. Vous savez, avant de commencer, c'était à votre nom que je leur avais souhaité la bienvenue. Nous sommes d'accord. On a fini, bon, bientôt parti. À votre nom également, je vais leur souhaiter un bon retour. Il est bien vrai que le chemin un peu, je dirais, le relief, c'est un peu, je dis, accidenté, comme on dit. Mais ce qui est juste, c'est que je sais que Dieu est avec vous. Parce que le message que vous avez porté à nos enfants ici, c'est un message qui est déjà béni de Dieu. Parce qu'il y a une certaine générosité dans ce que vous venez de faire. Ce qui est sûr, c'est que Dieu vous a amené ici, sans faute. Vous allez rentrer chez vous, sans faute. Inch'Allah, on dit, n'est-ce pas? Donc, au nom encore des parents d'élèves, au nom de l'administration, au nom de tous les parents d'élèves d'enfants, je vous souhaite encore un bon retour chez vous et que Dieu vous bénisse. On dit Amen. Amen. Donc, merci pour tout. L'association là, bon, je vois que ça a été bien passé et c'est bien d'ailleurs. L'association au gré du ciel nous fait du bien d'ailleurs. Pour cela, bon, nous sommes tous animés de joie compte tenu de la situation là. Puisque c'est une aide qu'ils vont nous porter et ça va nous aider aussi à aller aussi. Bon, ça veut dire que ça va nous aider aussi dans beaucoup de sens. Merci. On nous a parlé aussi d'abord comment faire tout pour avoir le certificat de la nationalité et on nous a parlé aussi comment on nous a montré aussi les procédures, comment on doit faire pour avoir le certificat de la nationalité, les pièces qu'on doit fournir avant d'avoir ça. On nous a parlé de tout ça là. Voilà, c'est simple. Ils ont constaté que depuis un certain temps, les élèves qui sont reçus au baccalauréat ont beaucoup de difficultés et pour beaucoup de difficultés à se procurer la pièce, le document très important qui s'appelle le certificat de nationalité. Certificat de nationalité togolaise. C'est ce certificat-là qui leur permet d'accéder à l'université publique, dans les universités publiques au Togo. Même pour accéder, peut-être souscrire à des concours. Ce qui fait que pour pouvoir leur atténuer, ou bien j'allais dire alléger la tâche, l'association a voulu que déjà en amont, déjà en classe de seconde, que ces élèves-là commencent par petit à petit essayer de réunir les pièces pour pouvoir se faire établir cette nationalité, ce certificat de nationalité togolaise. Je crois que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas attendre le lendemain du bac 2 pour pouvoir chercher à nommer, à avoir son syndicat de nationalité togolaise. Oh, c'est qui m'a beau bois, j'ai dit camion, on y va, bon, on va bien bon, on va dans le même bébé, on va des gens à toi, oh, du jour, dans un ami, bien vraiment, mon ami, parent de l'œuvre, mon ami, mais pièce, beau, blanc, avec bonheur, le violon, ça va, tu te dis, avec tes doigts, tu vas voir, grand mère, le commun, le croix, quoi, tu vas voir, le deux amis, tu vois, on a dit, tu vas dans un ami, et tu viens, bien, 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 bien,
C'est que nous on va continuer, ouais, je serai avec le censeur chaque fois, on passera dans les salles de classe pour leur rappeler cela. Ce qui est certain, c'est que au fil des jours, au fil des mois, et ce qui est certain, les élèves eux-mêmes ils ont compris qu'en s'approchant de l'examen, ils doivent tout faire pour avoir déjà leur certificat. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs pressés. Vous avez vu tout à l'heure que quelqu'un a posé la question de savoir quand est-ce que ce sera fait. Donc quand est-ce qu'ils vont rassembler les pièces là? Cela dit qu'ils sont patients, impatients, j'allais dire, de réunir ces pièces-là et se faire établir rapidement leur certificat de nationalité. Donc nous passerons, nous sensibiliserons, nous rappellerons régulièrement cela. Ouais, ouais. Comité, moi, je ne sais pas si je suis un homme, mais je ne sais pas si je suis un homme. Tout ce que vous venez de faire ici, hein, c'est une bonne chose, quand même, c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Parce que vous devantez notre patrie avant de faire quelque chose, avant de s'intégrer à quelqu'un pour aller quelque part là. Si on te demande quelle nationalité tu as, tu vas dire, oh, tu ne peux pas cliquer avant de dire, hein, quel pays tu se trouves. Donc, tout ce que nous venons de dire ici, c'est bon. Donc, je vous remercie. Au fait, l'idée de sensibiliser la population par rapport à l'acquisition du certificat de nationalité est la bienvenue, surtout dans une zone où les populations sont moins informées. Donc, vous avez posé la question de savoir comment est-ce que je trouve la sensibilisation. Je la trouve très bonne. Et l'initiative est à louer. Les préparatifs, ça n'avait pas été du tout facile, surtout avec les autorisations qu'il fallait avoir. À la dernière minute, on pensait peut-être qu'on ne pourrait plus faire la sensibilisation. Mais Dieu merci, on est à un point et tout s'est très bien passé. J'avoue que tout s'est très bien passé parce que la mobilisation n'était pas au grand jour. Ce n'est pas tous les élèves qui étaient là. On a plus eu des élèves de terminale et primaire qui étaient plus comme concernés. Mais on avait prévu, si tout le monde était là, ça aurait été un très grand truc pour nous. Mais du fait qu'eux sont là, ils seront des messagers pour les autres qui ne sont pas là. C'est ça qui nous réjouit. Surtout qu'ils ont eu beaucoup à participer au cours de notre partage. Ils ont eu à poser beaucoup de questions. On a dû même cesser de prendre des questions. Mais je pense qu'avec le temps, comme le comité de suivi est mis sur pied, ce comité aura travaillé de concert avec eux pour venir maintenant à bout de tout ce qu'ils ont comme souci. On aura vraiment à s'impliquer dans toute l'organisation pour que d'ici très tôt, les choses puissent commencer, pour que les élèves du lycée enfin puissent enfin avoir vraiment leur certificat de nationalité. Et de tout cœur, je tiens à remercier vraiment tous les membres de GDS qui ont eu vraiment à batailler dur pour qu'on puisse être ici aujourd'hui, ce soir, et surtout qu'on puisse passer ce message. L'œuvre n'est pas du tout une œuvre à banaliser, c'est d'une importance très capitale, parce que ce que ça peut apporter comme changement dans la vie de ces derniers, eux-mêmes ils auront à témoigner, et je suis sûr que demain ils vont nous remercier pour ce qu'on est en train de faire pour eux. Merci à tout le monde qui s'est impliqué pour que ça soit une réussite ce soir. Merci. La préparation a été moyenne et on s'est rendu compte des résultats de l'efficacité de la préparation lorsque nous avons été face aux élèves. Mais on s'encourage que ça ira bien. Au début, ça n'a pas été du tout facile, mais avec le temps, et on est convaincu que le message est vraiment passé. Cela est prouvé par l'intervention des élèves à la fin, par les diverses questions qu'ils ont posées. Vraiment, on est sûr que le message est passé et on a vu un certain dévouement en eux. Et nous savons qu'avec le comité, et dans quelques temps, on aura de bons résultats. Nous avons constaté que la plupart des élèves au Togo n'ont pas le certificat de nationalité avant le bac. Et après le bac, c'est un parcours de combattant pour acquérir ce document si précieux pour leurs études supérieures.
Alors nous avons, suite à ce constat, décidé d'organiser des sensibilisations dans les lycées du pays. Et aujourd'hui, cet après-midi, nous avons réussi à faire cette sensibilisation dans deux lycées, à savoir le lycée d'Anfouin dans la préfecture des Lacs et le lycée d'Awandjelo dans la Kosa. À Anfouin, où nous avons été présents, nous avons constaté que les élèves qui sont des futurs étudiants ont été très intéressés par le projet de sensibilisation et ils ont vraiment participé aussi. Ils ont posé plusieurs questions, ce qui prouve leur intérêt vis-à-vis de ce papier-là, de ce document qui est le certificat de nationalité. Et à la fin de la sensibilisation, il y a beaucoup qui se sont encore approchés de nous pour plus d'éclaircissements. Certains qui ont parlé de problèmes de nom sur leur certificat de naissance, qu'il faut changer ce nom-là avant ou pas. Voilà, et nous avons essayé de les éclaircir. Mais ce qui a été aussi bien apprécié par l'assistance, c'est que nous avons mis en place à la fin de la sensibilisation un comité de suivi. Et ce comité sera chargé de recueillir les demandes et de les déposer à la préfecture. Mais bien avant ça, nous avons décidé de prendre en charge le déplacement pour les légalisations à Anéhor, parce qu'enfin, Anéhor, ça fait l'aller-retour 800. Et si chaque élève doit aller légaliser ses pièces pour faire la demande, ça fait trop de dépenses. Nous avons décidé que Grain de Sel prenne en charge le déplacement. Donc le comité mis en place rassemblera les dossiers et une seule personne ira faire les dépôts à la mairie ou au commissariat à Nairobi pour la légalisation. Et quand tout le dossier sera prêt, une personne les prendra également pour la préfecture à Nairobi pour les demandes de certificat de nationalité. Et nous osons croire que, vu l'engouement que les uns et les autres ont porté à cette sensibilisation, nous sommes sur la bonne voie et que nous pouvons avancer. Nous pensons étendre cette sensibilisation à presque tous les lycées du pays. Donc, il nous reste qu'à avoir les moyens nécessaires et puis voilà, on pourra aller vers les autres lycées pour que tous les élèves soient informés. Parce que nous savons que l'information, c'est le pouvoir. C'est parce que les gens ne sont pas informés, qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils sont dans l'ignorance et ça leur pose des problèmes par après. Donc, nous ne voulons pas que les élèves aient leur bac avant de courir. Parce qu'il y a plein d'élèves qui courent après le bac. Derrière ce papier-là, et ils souffrent énormément à la direction de la nationalité. Nous voulons, intention peu ou par nos moyens, arrêter ce phénomène. Merci.